Hello les optimistes, alors nous voici à un nouvel épisode de votre web série Réveillez votre esprit optimiste, et vous connaissez le concept. L'objectif, c'est de vous donner du contenu positif, inspirant, rempli de positivité pour booster votre optimisme. Alors, pour cet épisode, nous allons découvrir une personne spéciale, une warrior. Vous savez que je déniche toujours des personnes top. Vous voulez savoir qui c'est? Allez, suivez-moi, on y va. Les amis, il fait très chaud, j'ai laissé tomber la veste. Et puis en plus, celle que je vais rencontrer, celle que je vais vous faire découvrir, elle donne chaud parce que c'est une guerrière, je vous l'avais promis. Alors vous voulez savoir qui c'est? Bon, je la laisse se faire découvrir. Hello. Bonjour. Bonjour grande dame, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes te connaissent, mais il y en a d'autres qui te connaissent sûrement pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Alors, je suis Axel Frida Elisha, présentatrice télé événementielle. Je suis ambassadrice de marque et également entrepreneur, promotrice du concept et de la marque de vêtements Warrior. Magnifique, j'adore. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré chez toi, ce concept de guerrière, d'Amazon des temps modernes. J'ai vraiment adoré ça. Et justement, en tant qu'Amazon, je suis sûr que dans ta vie, tu rencontres beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, mais que tu arrives à surmonter avec sourire, si j'en crois au visage radieux que je vois. Mais quel conseil tu pourrais donner à tes petites sœurs, tes petits frères, pour surmonter les obstacles dans la vie? Parce que moi, je pense que l'optimisme est une clé essentielle pour vivre une vie de rêve, pour accomplir des choses. Donc, quelles sont selon toi les trois clés essentielles que tu utilises pour garder un optimisme inébranlable? 100% quoi. 100%. Oui, effectivement, c'est pas toujours facile. On a envie d'abandonner des fois. Mais comme je dis, moi, j'ai trois clés que j'observe. Je chante tout le temps, donc beaucoup doivent savoir. D'accord. C'est détermination, effort et foi. D'accord. Détermination parce que je suis convaincue que quelle que soit la distance, la ligne d'arrivée, elle est quelque part et elle va se pointer forcément un jour. C'est sûr. Effort parce que il faudra se donner la volonté d'arriver à ses fins. Ne laissez personne vous juger pour vos choix, pour vos rêves. Tant que vous avez la capacité physique, psychologique, financière, même si celle-ci, elle est minime, lancez-vous à coup sûr. C'est sûr. Et foi, pour finir, parce que je suis quand même convaincue qu'au-dessus de nous, il y a un être suprême, absolument, un Dieu qui veille sur nous, qui nous accompagne et qui saura nous bénir en temps venu. Magnifique, j'adore. Merci infiniment pour ces clés. Et réveillez votre optimisme, c'est ça, c'est trois clés essentielles avec une personne ressource, une personne formidable à chaque fois. Merci beaucoup Axel et puis à très vite. Détermination, effort, on lâche pas. On lâche pas l'affaire, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.